pour cette méditation. Visualise une plage ou reste à la plage. Couche avec la tête orientée au sud. Ou assieds-toi. Et regarde en direction sud. Ferme les yeux et respire profondément. Respire l'eau de la mer. Respire la lumière solaire. Respire la plage, les montagnes, tous les éléments autour de vous. Respire. Respire les éléments comme lumière. Respire ces vibrations. Ces sensations. Visualise la lumière qui arrive à toi. C'est ce que nous appelons des sensations, des perceptions. Tout ce que nous sentons, que nous percevons, les sons, les odeurs, des choses que nous regardons, tout ce que nous goûtons. Toutes ces sensations, c'est la lumière de l'univers en communication avec nous. Toutes ces perceptions arrivent à ton cerveau pour se traduire en une image, en une histoire à l'intérieur de vous, à l'intérieur de ton mental. Regarde la lumière, visualise la lumière en ton cerveau, les rayons de lumière jaune, dorée, blanche. Qui illumine ton cerveau. Qui donne un équilibre rénové à ton cerveau. Regarde les lignes nouvelles de lumière qui traversent, qui connectent chaque point de ton cerveau pour te donner un équilibre et une perception du monde matériel, du monde spirituel. Du monde mental. Et avec le monde émotionnel. Sa lumière te donne un nouvel équilibre pour ta vie émotionnelle. Ses
C'est la lumière qui transforme ton cerveau animal en un cerveau plus évolué, un cerveau capable de se corriger à soi-même, de se contrôler à soi-même, de contrôler la force naturelle en toi pour lui donner une précision. Un cerveau connecté avec ton essence divine, avec l'essence divine en toi. Un cerveau en contact avec la nature, qui comprend la nature et en même temps qui peut sortir les forces négatives, destructives, provoquées pour les impulses réactifs, instinctifs, programmés à travers de la peur, principalement de la peur. C'est un nouvel équilibre pour tes pensées. Un équilibre pour sortir le cauchemar de toute la texture pour l'idée que nous besoin, pour l'idée que nous manquons d'amour, d'appréciation. De respect. C'est la lumière de notre guide, de nos guides, qui parle à nous pour nous donner la compréhension des lois divines en équilibre avec les lois de la nature. C'est la lumière qui nous donne la possibilité de la fidélité à notre création, d'un contrôle sur notre propre force. La grande force lumineuse projetée à travers de nous. C'est un équilibre entre des forces cosmiques et terrestres, entre la et la force corporelle, un nouvel équilibre entre des émotions et des pensées, entre le mental et corporel, entre la vie, les feux de la vie et les émotions. Entre toutes les formes de communication de nos structures. C'est la force qui nous guide. En les anciens hôtels sacrés, en les pyramides, en les temples, pour tout le monde. La voix de nos guides anciens et de nos guides actuels. Sens la lumière de ton cerveau qui flotte en la mer de lumière de la terre, de l'univers. Pour donner une nouvelle balance, un nouvel équilibre à tout. Une mer de lumière dorée. Merge. Avec la lumière dorée. Prends sa force. En ton cerveau.
pour ouvrir les capacités de contrôler la force en toi, pour lui donner une précision. Une force impossible de freiner. Le contrôle te donne la précision sans confronter, sans réprimer. Le contrôle, c'est une force aussi pour donner précision à l'amour immense, à la lumière infinie qui est projetée à travers de toi. Qui les singes divins qui protègent, qui les singes divins qui protègent ton chemin devient évident pour toi à travers de la lumière. Amen.